quoi ça? Je vous explique. Vous avez un droit de veto. Hein? On est en pleine actualité très chaude sur quelque chose que vous vous en foutez complètement. Ça s'appelle la Coupe du Monde de football. Ah oui. Au niveau de la halakha de Bitul Torah, je ne sais pas si vous êtes au courant. D'accord? Bientôt. Bah voilà. Alors, la notion de Bitul Torah, c'est un interdit. Dans un mois. De la passion. Non. Je me suis permis. Balak, on peut en parler. En plus, c'est d'actualité. Hein. On ne sait pas si on va être black ou pas cette semaine avec l'équipe de football. Est-ce qu'on c'est va... Incroyable. Oh là là. Voilà. C'est pas Stéphane qui... Il me cherche du regard. Non, continue. Voilà, change de sujet. Je joue le jeu. Allez, on reprend. Par un bon œil. C'est-à-dire que tu veux bénir quelqu'un, regarde-le bien. Tu bénis David. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, Moshe? Bien. Jacob. Je peux pas me concentrer là. Non, mais tu vois, regarde, moi quand je fais des blagues, hein. Pouvoir de prophétie pour faire le mal. Jean Roucas. Bon. S'il vous plaît, Jean Roucas, vous pouvez sortir. Non, J'ai rien dit. C'est juste bon, alors viens, enlève tes lunettes. Alors, l'interview chimchonique de Rav Aviv, on va la commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va faire une interview Breslev ou pas Breslev, ok? D'accord. Alors, attention, ça commence très fort. Sophie Marceau. Pas Breslev. Merci, on n'en parle plus.